bien, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de LSPDFR. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va patrouiller en gendarmerie banalisée. Passe devant moi, toi, voilà. Ok, bah toi aussi, allez, passez. Allez, circulez, voilà. Donc on va patrouiller en gendarmerie banalisée. Donc on a juste un petit brassard autour du bras. Et cette voiture banalisée, cette C4 banalisée, qui a été réalisée par un membre de la Barreau Team. Donc le lien sera dans la description. Donc c'est parti, on y va. Aujourd'hui, on se la joue discret. Ok, donc là, on part sur un appel. Je sais pas ce que c'est, parce que j'ai rajouté des nouveaux modes. Donc, il y a des trucs, je sais pas encore ce que c'est. Donc c'est par ici, apparemment, on va y aller doucement. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah ok, d'accord. Ok, je vois ce que c'est. Alors, regardez. Alors, c'est l'avantage d'être en banalisé. Ok, il vient de voler une voiture. Il est en train de voler une voiture. Il nous a pas vu. Ah, ça y est, il nous a vu. Ah, bah oui, il met les mains en l'air. Bah oui, mon grand, on t'a vu, là. Allez, mets-toi au sol, là. Dépêche-toi. Mets-toi au sol, là. Tu voulais faire quoi avec la voiture, là? Hein? Alors, déjà, on va faire un petit contrôle, là. Donc j'espère que tu vas vouloir coopérer. On était juste là, on a tout vu. Donc tu vas me donner tes papiers, voilà. Je vais vérifier ça, merci. Leonardo, pardon. Alors, bon bah, t'es pas recherché apparemment. Ok, donc on va être obligé de t'embarquer de toute façon. On t'a vu, je suppose que la voiture n'est pas à toi, je vais vérifier quand même, avec la plaque. Donc elle appartient à qui cette voiture? Ok, elle appartient pas du tout à toi. Donc mon petit gars, là je vais te passer les menottes. Hein. Si, ah bah si. Allez hop, les mains derrière le dos. Et là, tu vas être expliqué au commissariat. Voilà. Ok, donc on l'arrête pour vandalisme sur une voiture. Donc là, la police nationale qui va venir te chercher. Et elle va aller te questionner. Voilà, t'as tout gagné. Et oui, maintenant on est en banalisé. Hein. Donc... là, tu peux plus nous échapper. Bon, allez, nous, on repart. Allez, tourner un petit peu dans le quartier encore. Voir si on ne tombe pas sur des délinquants comme lui, là, encore. Vous venez, les gars, ou quoi? Ah ben, ils viennent plus, lui, comme l'aigle. Allez, là, venez, là. Bon, bah, j'ai récupéré mes collègues, là, c'est bon. Donc là, on va patrouiller un petit peu dans les quartiers chauds, on va en profiter d'être en banalisé. Pour pas se faire repérer et pas se faire caillasser surtout. Donc là, on va aller voir, faire des petits contrôles de véhicules là. Voir s'il n'y a pas des véhicules volés qui traînent dans les quartiers là. Donc là, ça a l'air calme pour le moment. J'espère qu'ils vont pas nous repérer. On a un gyro sur le toit, mais bon, ça va. Ok, donc on va vérifier ce véhicule, là. S'il n'est pas volé, hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce véhicule-là? Ok, il est en règle. Et celui-là? Ok, on va s'en aller, parce que là, on va pas trop traîner là, quand même. Target vehicle license plate. 09 Nora Adam, okay, King, il est en règle 4, aussi. 9, 2, no, 10, bon bah, ok, le véhicule devant il me paraît suspect déjà. Alors attendez, on va le suivre. Madame, regardez avant de traverser. On va le suivre un petit peu. Ce qui me paraît suspect. Il me paraît suspect ce véhicule. Bon, allez, on va l'arrêter.
ce qu'il fait au milieu de la route. Bon allez, on va l'arrêter. Hop. Eh, c'est la gendarmerie là, oui, arrêtez-vous. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Bah. Il part en délit de fuite ou quoi? Il a plus de roue. Alors, ok, d'accord. Attends. Alors, attendez. Parce que là, je les sens pas du tout. Je vais leur demander de me suivre. Voilà, pardon. Allez, suivez-moi, s'il vous plaît. On va se mettre ici. Hop. On va descendre, les gars. Oula. Non, on va peut-être pas prendre le fusil à pompe. On va descendre, on va aller contrôler, là. Bonjour, messieurs, gendarmerie nationale. On va procéder à un petit contrôle d'identité, s'il vous plaît. Vous demandez votre carte d'identité, permis de conduire. Papier du véhicule, s'il vous plaît. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur vous, monsieur? Ah, d'accord, ok. Donc, le permis est expiré. Vous avez plus de points sur votre permis, monsieur. Vous êtes au courant ou pas? Donc, j'ai demandé l'identité du passager. Est-ce que lui, il a le permis? Mince. Pardon. Ah, mais il n'a pas le permis non plus. Bon, bah, messieurs, je vais vous demander de sortir du véhicule, tous les deux, s'il vous plaît. Voilà. Et bon, bah, je vais. Ouais, bah, vous repartez à pied. Vous repartez à pied. Je vais vous mettre une amende. Non, je peux pas. Je peux plus leur mettre d'amende. Ok, bon, bah, vous pouvez repartir. Ah, si, mince, je pouvais y mettre une amende. Hop. Donc, je vous mets une amende, monsieur. Quand même, je vais pas vous retirer de points parce que. Eh, non. Eh, tu repars pas. Eh. Il va m'écraser en plus. Regardez. Alors, attendez, je range mes papiers, là. Voilà. Je range mes papiers. Et là, vous descendez du véhicule, là, s'il vous plaît. Vous avez plus de permis, vous pouvez pas rouler, là. Allez, descendez. Voilà. Et vous repartez à pied, s'il vous plaît. Ah, non, oui. Mince, c'est moi qui demandais de partir. Mince. Bon, bah, attendez, je vais aller le choper. Parce que là, je crois qu'on s'est mal compris. Les gars, vous restez là, vous y allez à pied. Ah, en plus, il a plus de roue, ouais. J'avais oublié ça. Allez. Là. Maintenant. Monsieur, hop, je vous mets une amende de 90 euros, voilà. Je vais pas vous enlever de points parce que vous avez plus de permis. Et je vous saisis votre véhicule, voilà. Maintenant vous descendez et votre véhicule sera emmené par notre dépanneuse. Donc je vous fais votre ticket. Voilà, vous descendez et vous repartez à pied. Voilà, allez hop. Moi j'appelle la dépanneuse. On va pas y passer des heures. Attention toi, oula. Bon allez les gars, on y va, la dépanneuse est là-bas. On repart. Bon. Ça commence bien cette petite journée là. Alors là, nouvel appel. Alors là, je sais pas du tout sur quoi on va tomber. Oula, pardon. Alors par où on passe déjà? Est-ce que là le GPS il m'indique? Ok, c'est en bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bon, on va rouler dans la pelouse là.
Où est-ce qu'il... Oula, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok, on fait gaffe les gars, soyez prudents. Je sais pas du tout ce qui s'est passé là. Bonjour monsieur. C'est gendarmerie là, qu'est-ce qui s'est passé ici là? Ok, donc je vais appeler des pompiers déjà parce qu'il y a une victime apparemment. Alors, d'accord. Un véhicule qui est rentré dedans. Il a pris la plaque. Ok, on a une plaque d'immatriculation. Parfait. D'accord. Donc, on va essayer de retrouver la. Oh là, mais ils sont fous. Mais et ils sont complètement malades. Alors, eux, les pompiers, là. À chaque fois. Bon, bah, nous. Allez, monte, Patrick. Bon, bah, on a signalé. Bon, bah, on a signalé la plaque d'immatriculation à toutes les unités. Donc, si on la voit traîner, on l'arrêtera. Mais là, c'est pas notre travail de. Je vais rechercher le véhicule là. Ok, donc la nouvelle intervention, il y a un policier qui a activé son bouton rouge. Donc on va se rendre rapidement sur les lieux. Ouh là 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 là. On va essayer de se rendre sur les lieux rapidement. Ok, donc je vais voir, il est là-bas le véhicule. Alors, oh là, il y a de la circulation en plus. Allez, poussez-vous. Ok, qu'est-ce qu'il fait lui? Ok, il a un truc dans la main. Et il a un cocktail Molotov. Il a... Oh là, je l'abats direct. Il y en a un autre là, il y en a... Eh, arrêtez-vous là, gendarmerie là. Lâchez ça, là. Lâche ça là, lâche ça, lâche. Mets ça au sol là, jette ça là. Dépêche-toi, mets-toi à plat ventre là. Dépêche-toi là. Allez. C'est la gendarmerie là. Allez hop, ça on embarque. Le collègue, il est où, là? Ah, il est là. C'est bon. Il est vivant. Il s'était caché dans son véhicule. Donc, j'ai appelé une autre équipe. Alors, attendez. Mince, pardon. Là, c'est pour... Alors, j'ai appelé les pompiers ou quoi? Je sais plus. Ouais, je crois que j'ai appelé les pompiers. Je vais ralentir la circulation, là. Ok, la police arrive, les pompiers aussi, parfait, on peut y aller. Allez hop. Ok, donc là on vient de se voir un appel du COJ. Il y a un petit gang là qui font les malins dans la ville. Donc allez voir ça tout de suite. Oula, j'entends des coups de feu déjà. À mon avis c'est une guerre des gangs. Bah ça tire. Ok, on sort les fusils lourds, là. Allez. Oula, la vache. C'était une fusée à pompe, ça. Pas fait exprès. Allez, arrêtez-vous, là. Ok, on abat tout le monde, là. On va pas faire de chichi. Allez, hop. Et toi. Ok, on va peut-être appeler du renfort, là. Ok, on va appeler du renfort. Et on va se mettre à couvert, les gars. Là, ça tient quand même. Là. On va essayer de prendre de la hauteur. Alors, attendez. Ok, il y en a un là-bas, il va se faire... Il s'enfuit, il veut s'enfuir, ok. Il est où, lui? Mince, mais... Ah, oh, j'ai plus d'armes, ok. J'ai plus que mon pistolet. Il m'a fait peur, mais je croyais que c'était... bah... Ok, on descend. On descend, les gars, on descend. Alors, lui, je vais le prendre par surprise. Regarde. Bon. Il en reste encore. Hop là. Ah, bah, on va essayer. Ok, par contre, il y en a un qui s'est échappé. On va essayer de le choper.
Allez, allez, allez. Mes collègues, je crois qu'ils se sont fait descendre. Je vais appeler les pompiers. Rien, il y en a un qui a voulu se faire la manne. Lui, je vais pas le lâcher. Qu'est-ce qu'il veut? Ok, il veut se battre. Alors, mon petit gars. Ok, tu veux te battre? Bah viens, allez, viens. Allez, moi je suis entraîné là. Je suis entraîné au combat. Alors là, t'as aucune chance, mon petit. Allez, vas-y, vas-y, frappe. Bah, allez, allez. Essaye de me toucher. Bah oui. Allez, allez, allez. Allez, bah non. Et bah non. Oula, allez. T'as failli me toucher là, mais non. Bon. Quand on aura fini de jouer, ok, bah allez, hop. Hop. Maintenant, tu te couches. Et tu te mets à plat ventre, ok? Allez, dépêche-toi. Fini de jouer là. On a assez rigolé. Allez, hop. Eh, eh, non, 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 non. Dépêche-toi là. Pas de temps à perdre. Ouh, lui. Ok. C'est pas trop tôt. Allez, hop. Ça, on embarque. Assistance required for a suspect placed under arrest in Howick. I'm 10-8. Roger. Allez, vous pouvez circuler, messieurs, dames. Est-ce qu'ils arrivent, les... Ah, ils sont là, d'accord. La police est là. Parfait. Bon, bah, nous, on va faire une dernière intervention. Et après, bah, on se quitte, hein, parce que c'est déjà la fin de la vidéo. Donc, je vais continuer tout seul pour cette dernière intervention. Allez hop, laissez-moi passer, on y va. Ok, donc on va finir sur une bagarre de bar. Elle a été appelée là, petite bagarre qui s'est déclenchée devant un bar. Allez, tout de suite. Allez, poussez-vous, oula. Ça bug un peu. Heureusement que c'est la fin de la vidéo. Parce que là, ça lag un peu. Là. Désolé. Oula, oui, 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 ils sont en train de se taper là. Et hop, sortir le taser. Allez, messieurs, là, hop, 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 hop. Mince. Oui, ça bug. Et hop, au sol, là, tout le monde. Il a un couteau, il l'a planté. Oh mince. Il l'a planté. Assistance required in, ah, j'ai pas vu ça. Vinewood. Mince. Units respond code 2. Attends, mon petit gars, je vais ramasser le couteau. Hop. Monsieur, là, circulez, s'il vous plaît. Allez, hop, circulez. Mince. Oula. Oula, 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 oula. Oula, c'est la fin de la vidéo, là. Heureusement. Parce que là, ça devient n'importe quoi. Hop, toi, je vais te mettre les menottes. Toi, tu vas partir au commissariat. Backup required for a suspect placed under arrest. Donc, il y a deux victimes. In downtown Vinewood. Allez, messieurs, s'il vous plaît, dépêchez-vous, là. Il y a deux victimes, il y a une qui s'est fait poignarder. Elle est mal en point. Mal en point, et elle a juste assommé. Elle devrait s'en sortir. Allez, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Eh ben non. Bon, bah les amis. Ah si, lui, il s'en est sorti. Lui qui a pris un coup de couteau, il s'en est sorti, mais lui que j'ai assommé, non. Bon, c'est pas grave. C'est la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et à commenter cette vidéo et à la partager au maximum. Allez, salut!